Coucou les Beautiful! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des poux. Je sais, d'habitude c'est plutôt en septembre qu'on en parle, mais j'ai mes raisons pour vous faire une vidéo dès maintenant, vous allez très vite comprendre pourquoi. Déjà, sachez qu'ils commencent à contaminer les têtes dès juillet-août, c'est-à-dire dès maintenant, parce qu'eux aussi aiment la chaleur, et en plus, certains endroits très fréquentés comme les piscines par exemple, sont les parfaits endroits pour pouvoir changer de tête en toute liberté. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des alternatives naturelles pour s'en débarrasser. Mais les masques à l'huile d'olive, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre solution, tout aussi respectueuse des cheveux. J'aimerais vous présenter Speedy Poo, c'est votre nouveau meilleur ami. Ce peigne à poux n'est pas comme les autres et son utilisation est très facile. Il se passe après le shampoing, sur cheveux mouillés, parfaitement démêlés. Il suffit de deux passages ayant pour base chaque oreille et un troisième dans la nuque si vous avez des cheveux longs ou très épais. À chaque passage, il englobe plus de la moitié de la tête et évite donc que les poux se déplacent d'un côté à l'autre pendant qu'on passe le peigne à un endroit. Sachez aussi que les poux ont une taille de 3 mm et que les lentes ont une taille de 0,8 mm et que les dents de Speedy Poo ont un espacement de 0,2 mm, soit l'épaisseur de 4 cheveux et c'est tout. Donc il retire absolument tout le petit monde sur son passage et même éventuellement les pellicules. Du coup avec lui, plus besoin de passer des heures à passer un peigne à poux classique qui ne retire en plus que les adultes. Absolument tout est retiré. Et plus besoin non plus de respirer les produits anti-poux chimiques, chers et irritants, et auxquels les poux deviennent résistants d'année en année en plus. Sachez également qu'un poux devient adulte au bout de 17 jours. Ça veut dire qu'avant cet âge-là, il ne pond pas. Donc si vous passez le peigne une fois par semaine, même si un poux adulte a élu domicile chez vous, il n'aura pas le temps de s'installer et les éventuelles lentes qu'il aura pondues n'atteindront jamais l'âge de se reproduire. Donc que ce soit en traitement de fond ou en prévention, c'est le début de la fin d'une contamination. Allez, on respire. Profitez bien de l'été, sans les poux, et prenez soin de vous.